Dub Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce sont des lumières de Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Puis on va parler de la course à l'élection qui ne doit pas diviser les fils et filles de Kassai Central. C'est le message lancé à Kananga par les notables et dignitaires de Forum pour la paix et le développement de cette province. Message lancé à quelques jours de la tenue d'élection de sénateurs, de gouverneurs, après qu'ils aient observé des campagnes de diabolisation contre les dignes fils de Kassai Central, tout en appelant la population à l'unité pour le développement de cette province. Ils exhortent les députés provinciaux à faire un choix judicieux lors de la tenue d'élections des sénateurs et gouverneurs. L'extrait de la déclaration des notables et dignitaires de Kassai Central, lu par le rapporteur Pierre-Célestin Mouchipaïwa Bibolé, et ici choisi par Alain Saver Makoba. Il s'observe depuis un certain temps, dans les médias et réseaux sociaux, une forte campagne de diabolisation des dignes fils du Kassai Central. Cela pendant que les notables et dignitaires du Kassai Central déplorent la faible représentativité de la province dans les institutions de la République et les entreprises publiques. Tout en plaidant pour l'augmentation du taux de représentation des ressortissants du Kassai Central, la course électorale est une compétition démocratique d'après les lois de la République, qui reste ouverte à tout Congolais qui en remplit les conditions légales. Elle ne peut en aucun cas être sujet de division entre frères et ressortissants d'une même province. Par conséquent, les notables et dignitaires de la province du Kassai Central tirent l'oreille de quiconque s'emploie à indexer le directeur général de la DGI, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, qui fait la fierté au niveau national, faisant bien son travail dans la maximisation des recettes à la grande satisfaction de tous. Nous demandons à nos élus provinciaux de faire un choix judicieux au moment des élections pour doter la province d'un bon gouverneur et un vice-gouverneur, ainsi que de bons sénateurs. Pierre-Célestin Mouchip.